Et donc maintenant, pour la troisième partie, on va traiter de la fin de la vie des emballages. Une fois qu'on les a jetés, il faut savoir si ils sont recyclables ou pas. Donc, comme on disait, il y a des emballages qu'on peut jeter dans des poubelles mais qui ne sont pas recyclables. C'est le cas de l'emballage en plastique opaque. Les emballages qui se recyclent le mieux, ce sont la conserve et le pot en verre. Une fois qu'on a décidé de recycler ces emballages, il faut savoir qu'il faut encore mettre des ressources pour recycler ces emballages. Il faut les mettre dans un camion, les emmener dans une usine, les faire refondre, etc. Et à ce compte-là, la conserve et le pot en verre qui sont plus recyclables demandent plus de ressources pour être recyclés. Et c'est les emballages en plastique et le berlingot qui se recyclent avec moins d'énergie. Bien sûr, le pot en plastique opaque. Comme il n'est pas recyclé, il ne faut pas d'énergie pour le recycler. Puis après, la dernière chose, si malheureusement l'emballage il se retrouve dans la nature, ce qui peut arriver, il y a des emballages qui sont plus ou moins inertes et qui dégradent et polluent plus ou moins l'environnement. Un pot en verre, par exemple, va très peu polluer car il ne se dégrade pas. Et après, il y a les plastiques où on connaît aujourd'hui le problème, où il y a plus d'impact sur l'environnement